Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Pepatanavel, le nouveau moon booty pirate, duel du pirate, naissance du pirate et tout ce bordel. Pourquoi? Parce que il y a eu une nouvelle rotation des souhaits, du coup une mise à jour des souhaits, une nouvelle rotation, du coup nous avons deux nouvelles rotations avec deux ajouts de pas mal de nouveaux persos. Nous avons Bam, Robin, Aramaki et Barbe Blanche qui sont sortis sur la première rotation. Une première rotation bien chargée, hein. Commence à être bien chargée la nouvelle rotation. Mais du coup, Robin, Aramaki et Barbe Blanche qui sont sortis sur la première rotation. Je rappelle, sur cette rotation, les meilleurs persos à avoir, du coup, maintenant sont Yamato est toujours forte. Ok. Marco. King est bon. Et après, c'est Robin, Aramaki, Barbe Blanche, si vous voulez. Mais en vrai, voilà, les meilleurs persos sont ça. Marco, c'est vraiment si vous avez besoin d'un healer, en tant que free-to-play, le meilleur healer, c'est lui. Bah, c'est le seul healer, de toute façon, ici. Mais voilà, Marco, je pense que c'est vraiment le must à avoir dans cette bannière. Marco, hein, pour son heal qui est trop fort. Yamato est toujours forte. King est toujours bon pour moi. Et après, Robin, Aramaki, si vous voulez un tank qui est mieux que Weeble. Et Barbe Blanche. Barbe Blanche, jamais été grand fan, mais il fait des bons dégâts quand même. Mais du coup, voilà. Je pense que le must-have à avoir dans cette rota, c'est quand même Marco, toujours. Marco qui reste vraiment le meilleur dans cette rotation, quoi. Marco. Après, vous voulez dégâts. Robin a fait des très très bons dégâts. Robin en deuxième, je dirais. Et après, Barbe Blanche, King, Yamato. Et Aramaki si vous voulez un tank. Du coup voilà pour la première rotation. Une rotation bien chargée comme je dis. Mais maintenant on a une nouvelle rotation qui vient juste de sortir aujourd'hui. Du coup c'est avec... Attention. Bam. Uta je crois qu'on l'avait déjà. C'est Lo Oni et Luffy qui viennent de sortir. Lo Oni et Luffy qui viennent de sortir. Du coup deux bons persos aussi qui viennent de sortir. Dans cette rotation du coup les meilleurs. Perona et Carotte restent bonnes. Après, à haut niveau, genre contre des vrais UR, genre des teams full UR et des UR de dernière génération, c'est pas fou. Mais en tant que premier UR, elle peut être très bonne. Genre, elle peut vous carry facilement. Mais là, le must-have à avoir reste quand même G4. G4 qui est un tank qui est encore joué aujourd'hui de fou. Même sur la chinoise, je referai une vidéo sur la chinoise par rapport à comment jouent les personnes. Mais G4 est encore joué de fou et très très fort. Riley. Et après, Uta, si vous voulez un healer, mais après, le seul problème, c'est que c'est un healer légende. Et du coup, il faut vraiment la SP pour qu'elle soit vraiment forte. Et Nika et Lo Oni qui sont des bons dégâts. Qui sont des bons dégâts. Du coup, en vrai, le must-have, c'est G4 là, sur cette bannière. G4, ce tank est trop fort. Riley, où c'est encore hyper joué. Il fait des très très bons dégâts. Et c'est surtout ses marques qui sont trop forts. Uta, si vous voulez un healer, mais attention à un healer que vous pouvez SP, comme il faudra un légende SP. Du coup, c'est plus facile à avoir Marco, on va dire, que Uta. Comme Marco, même non SP, est mieux, et beaucoup mieux que Uta. Non SP. Non SP, Uta, c'est vraiment pas fou, il faut vraiment la SP. Après, Lo Oni et Nika qui viennent de sortir, qui sont très très bons. Du coup, voilà. Je rappelle, première rotation, nous avons du coup Robin, Aramaki, Barbe Blanche qui sont arrivés, et les meilleurs à avoir sont pour moi Marco. Marco est vraiment le must à avoir dans cette bannière. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire, c'est vraiment bien. Même juste avec le gratuit, hein, vous n'êtes même pas obligé de dépenser en soi. Si vous voulez pas dépenser, mais juste avec le gratuit, au bout d'un moment, vous allez l'avoir dans tous les cas. Vous allez l'avoir dans tous les cas au bout d'un moment, du coup, c'est vraiment bien. Prenez Marco, ou même si vous voulez ouvrir, Marco est intéressant. Après, attention, vaut mieux quand même garder peut-être ces diamants pour les nouveaux UR. Bah, c'est même sûr, c'est mieux de garder des diamants pour un nouveau UR que pour un UR qui est déjà sorti. Vous pouvez ouvrir avec les tickets que vous avez et même les gratuits. Mais en vrai, de vrai, peut-être que garder les diamants pour un nouveau UR, c'est mieux. Et du coup, pas trop ouvrir sur la bannière souhait. La bannière souhait, ça va être surtout pour terminer le perso. Ou vraiment pour avoir un perso que si vous voulez à tout prix. Pour un perso qui ne reviendra jamais. Mais après, le seul problème, c'est que le seul hic, c'est que les persos qui reviennent jamais, c'est souvent des persos qui sont plus joués ou qui sont plus faibles dans la nouvelle méta, quoi, à cause des nouveaux persos. Du coup, c'est pour ça. Mais du coup, voilà. Marco, quand même, qui est le must-have à avoir dans cette bannière. Je rappelle en top du top. Après, il y a Robin, très très forte dégâts avec Barbe Blanche. Après, il y a King Yamato. Et Aramaki, si vous voulez un bon tank aussi. Mais après, dans cette bannière, du coup, G4, qui est le meilleur tank, qui est encore vraiment. Bah, qui.
C'est différent d'Aramaki, il est totalement différent d'Aramaki, mais vraiment c'est le perso qui a encore joué maintenant. C'est encore le tank qui a encore joué à la place d'Aramaki. Mais voilà, du coup G4, Rayleigh et après Uta si vous pouvez la SP. Sinon Lo, Ni et Nika qui sont très bons, ou si vous voulez Carotte, Perona aussi qui sont très très fous. Qui sont très bonnes encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant, hein. Ils sont moins résistantes et tout, mais elles sont très bonnes quand même. Mais Lo, Ni et Nika sont meilleurs quoi. Mais voilà. Du coup voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler des deux nouvelles rotations des souhaits. J'espère que vous avez aimé. Moi ce que je vais prendre ici c'est je pense que ça va être Garp, juste pour débloquer le perso. Je vais même pas le monter, c'est juste pour le débloquer. Je vais avoir Garp. Voilà, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.